Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est arrivé ce dimanche au Nigeria en compagnie de la secrétaire générale de l'instance fêtière du football mondial pour une visite de 2 jours. Les deux patrons de la FIFA doivent rencontrer le président Muhammadu Buhari ainsi que les principaux responsables de 17 fédérations de football africain. Le secrétaire général de la Fédération nigériane de football a indiqué qu'il s'agit d'une excellente opportunité pour discuter du potentiel d'évolution de cette discipline au Nigeria. Le football est une affaire prospère. Le Nigeria a l'un des viviers les plus fournis de footballeurs professionnels à travers le monde. Il est à parier que de nombreux autres athlètes quitteront le pays, ce qui aura un impact positif sur l'économie nationale. Gianni Infantino et Fatma Samoura assisteront à un match de gala de jeunes de moins de 13 ans à Abuja. Le président de la FIFA devrait regagner la Suisse dans la soirée de lundi, tandis que la secrétaire générale restera au Nigeria jusqu'à mardi.